Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. À toute règle, une exception et à toute série de carême, une émission particulière. Jusqu'à présent, nous avons parlé des grands textes spirituels et donc nous avons évoqué des livres. Mais aujourd'hui, je dois vous faire une confidence, nous n'avons pas su choisir dans les œuvres de celui que nous évoquons dans cette émission, tellement il est important et tellement il incarne l'essence même de la mystique. Je veux parler, bien évidemment, de Jean de la Croix. Ce carme espagnol, né en 1542 et mort en 1591, qui accompagna le Carmel de Thérèse d'Avila et écrivit une œuvre à part, fulgurante, éblouissante, à la limite de ce que le langage peut dire de Dieu, à la limite de la grammaire et du vocabulaire parfois. Alors, que choisir? Le cantique spirituel, la nuit obscure, la montée au Carmel? Eh bien, nous les prenons toutes pour cette dernière émission et nous évoquons cette œuvre en compagnie de mes trois invités. Geneviève Fabry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature espagnole et hispano-américaine, et c'est important, on le verra à la fin de l'émission, à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Jean Canavaggio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à Paris-Nanterre et vous êtes le coordinateur du volume de la Pléiade qui recueille les œuvres de Jean de la Croix, mais aussi évidemment de Thérèse d'Avila. C'est une sorte de Pâques mystique espagnole du XVIe siècle, si j'ose dire. Une sélection. Et vous êtes l'ancien directeur de la Casa Velázquez. Et puis, bien entendu, on se retrouve pour une dernière fois, Père François. Bonsoir. François Potet, vous êtes le curé de Notre-Dame du Travail à Paris et vous nous accompagnez tout au long du carême. Et vous confidence pour confidence, vous m'avez dit, oulala, Jean de la Croix, c'est pas le plus facile. Passionnant, mais c'est pas le plus facile. Je suis plus à l'aise avec un François d'Assise. Mais je pense qu'on va dire des choses qui sont importantes. On va essayer de dire ça. La mystique est tellement importante. Oui. C'est bien pour ça que nous avons fait cette série. Oui. Alors, peut-être pour commencer, souvent, hein, quand on faisait autrefois des présentations d'auteurs, c'était la vie et l'œuvre. On va commencer par la vie. Jean de la Croix, en quelques mots. Jean Canavaggio. Jean de la Croix, vous l'avez situé, il est au cœur du XVIe siècle. C'est le contemporain de Cervantes. Il est né quelques années avant Cervantes. Il est mort beaucoup plus tôt, il est mort prématurément. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ses parents sont, semble-t-il, d'origine conversa, c'est-à-dire juive converti pour le père et morisque pour la mère. Mm-hmm. Et il perd son père très tôt, à 3 ans. Et il va être élevé à Medina del Campo par les Augustins et il va être recueilli par un gentilhomme qui va lui permettre de faire des études. Chez les jésuites d'abord, puis à l'université de Salamanque. Puis il entre dans les ordres, il entre au sein du Carmel chaussé, on disait, c'est-à-dire non réformé. Mm-hmm. Il s'appelle à ce moment-là... Jean de Saint-Mathias, merci. Ah. Et puis il rencontre Thérèse au moment où il était sur le point d'abandonner le Carmel, qu'il ne trouvait pas assez rigoureux. Et à ce moment-là, Thérèse d'Avila l'emmène avec lui et il va participer à la réforme du Carmel. Alors, c'est une époque particulière et pour la littérature espagnole et pour l'Espagne aussi. Enfin, c'est ce qu'on appelle le siècle d'or, enfin, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Oui, c'est une époque vraiment de très grande splendeur. Jean Canavaggio vient de citer Cervantes, qui est évidemment l'auteur phare de cette époque. Alors, c'est intéressant peut-être de dire que Jean de la Croix, c'est vrai qu'il est au centre du XVIe siècle, mais dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui est donc une moitié où l'Espagne commence à se refermer, mais il y a comme un bouillon de culture, toutes les influences étrangères sont rentrées en Espagne et ont commencé donc à porter leurs fruits. Et donc Jean de la Croix recueille cet humanisme dans sa phase de pleine maturité. Et il va être en contact d'ailleurs avec cet humanisme à Salamanque, où il va étudier et où il va croiser des personnalités de tout premier plan. J'aimerais citer ici Luis de León, qui est un grand humaniste et un grand hébraïste. Mais enfin, il va donc pouvoir entrer en contact non seulement avec la culture religieuse de l'époque qui est florissante, mais aussi vraiment avec la culture humaniste.
humaniste et la poésie de la Renaissance, très influencée par la poésie italienne et à laquelle il va emprunter donc ses formes lyriques. C'est très important parce que la semaine dernière, on parlait de Saint-François d'Assise qui manifeste un certain anti-intellectualisme, enfin, ou disons, il se méfiait du savoir. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est un contexte très cultivé. Du moins pour Jean de la Croix. Oui, Jean de la Croix. Oui, parce que Thérèse d'Avila n'avait pas fait de véritables études et elle se disait volontiers « sin lettra », c'est-à-dire « je n'ai pas fait d'études », disait-elle. Bon, Jean de la Croix, non. Jean de la Croix est un savant. Et ce que disait Geneviève est particulièrement intéressant parce que nous sommes à une époque où l'Espagne de Philippe II se replie sur elle-même. Elle vit dans la terreur de l'hérésie. Elle a le spectacle des guerres de religion en France. Donc les étudiants espagnols sont rapatriés dans la péninsule. Bon, la lecture de la Bible est interdite. Les Bibles en langue vulgaire n'ont pas cours en Espagne. Ce sont les juifs et ce sont les protestants qui la traduisent. Mais il y a néanmoins cet héritage que Jean de la Croix recueille et qui fait fructifier. Et ce qui est fascinant, enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais on va beaucoup parler de mystique, de littérature, de poésie, etc. Mais c'est un homme très concret, enfin, qui fonde des couvents autant comme autant. Et quand il fonde un couvent, il y va avec sa truelle. Enfin, c'est un bâtisseur. C'est incroyable parce que c'est pas du tout un bonhomme éthéré et évadé dans l'intellectualisme. C'est un homme qui. Enfin, c'est même étonnant quand. Mais si je peux me permettre d'ajouter quelque chose dans le sens de ce que vous dites et qui pourrait peut-être compléter l'ébauche biographique que Jean Canavaggio vient de nous donner, c'est qu'il provient d'un milieu extrêmement pauvre. Et que donc, dès son enfance, il a été en contact avec les réalités de la vie, contrairement à Thérèse d'Avila, qui venait d'une famille beaucoup plus aisée. Et donc, très jeune, il a effectivement pu aller au Collège des Jésuites, mais il travaillait déjà, comme jeune adolescent, dans un hôpital où il était une espèce de petit messager, on dirait. Et donc, il a été en contact très jeune avec la souffrance humaine, avec le côté le plus concret de la souffrance, parce que dans l'hôpital où il travaillait, il y avait, paraît-il, beaucoup de malades de maladies vénériennes, etc. Donc, il touche au plus concret de l'expérience humaine. Et il était d'ailleurs, durant une certaine partie de sa formation, avant qu'on se rende compte qu'il était capable de beaucoup plus, mais enfin, et on lui reconnaissait des dons au niveau donc, de l'art plastique, je dirais, du dessin, et même, comme vous dites, il était peut-être capable de manier la truelle. Donc c'est vrai que c'est une personnalité complexe, puisqu'elle va être capable d'aller dans les plus grandes abstractions mystiques, mais c'est également effectivement un homme concret. Et tout petit, il était mystique ou est-ce que ça lui a appris sur le tard? Je crois que ça l'a appris assez tôt parce qu'il est ordonné prêtre en 1567, vous voyez. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Thérèse. Et donc il y a un éveil de sa vocation spirituelle. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est déjà mystique, mais il y a un appel de la spiritualité chez lui qui va se concrétiser et se renforcer. Ouais, si vous voulez être chartreux, c'est quand même... C'est parce qu'il avait une aspiration quand même très forte et qui venait de loin. Et puis il n'a que 25 ans, donc oui, Thérèse est née en 1515. Oui. Elle est beaucoup plus âgée que lui et parmi tous les carmes qu'elle avait, si je puis dire, à sa disposition, son œil va se porter sur ce très jeune carme qui a en plus un petit peu des doutes. Là. Il va lui dire non, restez avec nous, on a besoin de vous pour la réforme de la branche masculine. Donc il y avait sans doute déjà une personnalité très affirmée. C'est quelque chose que j'avais pas, pas dans la tête, mais je regardais les dates, 1542, 1515, effectivement, elle a presque 30 ans de plus que lui. Une bonne génération. Elle a assisté à sa première messe, je crois, et aujourd'hui, on dirait qu'elle a flashé. Enfin, non, mais elle a été saisie par la façon de se tenir de ce prêtre. Et du coup, elle l'a, avec son discernement très coupant, elle a dit je prends. Alors même qu'il n'avait pas le même tempérament et qu'il était très réservé, disons, devant une certaine tendance à la mortification qui le caractérisait. Ce que vous voulez dire est très important, dites-le. Bien que je me sois parfois fâché avec lui, jamais nous n'avons vu en lui une imperfection. Je n'en ai pas trouvé un seul comme lui dans toute la Castille, ni qui communique une telle ferveur pour s'acheminer jusqu'au ciel. Donc voilà ce qu'elle retient. Mais quand il multiplie, disons, les comportements de mortification, là, elle le met en garde. Comme elle mettait en garde ses moniales, c'est pas
Il ne faut pas tomber dans ces excès et croire qu'on va devenir mystique parce que on se flagelle. Voilà. C'est quoi devenir mystique, justement? Parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui s'invente, enfin, dont ça ne s'invente pas à ce siècle d'or, mais comme je disais, ça prend une impulsion et ça prend une forme qui après va servir presque de modèle à tous les autres. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais d'abord, il faut dire qu'ils ne se baptisent pas eux-mêmes mystiques. Oui, ça c'est très important. On parle de théologie mystique pour la distinguer de la théologie scolastique, mais la mystique en tant que substantif n'apparaîtra que beaucoup plus tard. Ce sont des spirituels. Et ce qui les caractérise, c'est une attention portée à ce qu'on appelle l'oraison mentale par opposition à l'oraison vocale. C'est-à-dire que la dévotion moderne, enfin celle que les franciscains déjà développent auparavant, incite ceux qui s'orientent dans cette direction à méditer, en quelque sorte, leur foi, leur relation à Dieu, sans se contenter d'aligner des prières récitées mécaniquement. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a l'impression que la prière, c'est silencieux. Il ne faut pas oublier que, jusque, comme vous dites, au Moyen-Âge, on prie en parlant, on lit aussi en lisant à haute voix. Ça n'existe pas, le silence de la prière. Oui. Et ça, c'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, Thérèse d'Avila parle beaucoup de la difficulté de la prière silencieuse, parce qu'elle passe par des périodes de sécheresse. Ouais. Alors, Jean de la Croix ne dit pas cela, mais on sent bien qu'il a participé à cette expérience. Qu'est-ce qu'il fait pendant son court laps de temps? On va essayer d'arriver à l'œuvre, donc je vais peut-être aller un peu vite, mais en gros, c'est quoi sa vie pendant... il est ordonné, vous l'avez dit, à 25 ans, il meurt à, je ne sais 49. Plus... 49, voilà. C'est révisé. qu'est-ce qu'il fait pendant ces quelques années? Il est aumônier du couvent de l'Incarnation à Villa, et puis il lui arrive une mésaventure épouvantable, c'est qu'il va être séquestré par les carmes non réformé, les carmes chaussées, à Tolède. Il va être emprisonné pendant 8 mois. Et il va réussir à s'évader et à se réfugier chez un gentilhomme qui le met à l'abri. Et Thérèse d'Avila a appris ce qui lui était arrivé. Elle a fait des pieds et des mains pour savoir où il était. Et il n'a réussi que qu'à la fin à savoir où il était. Et cette expérience est capitale parce que c'est à ce moment-là, semble-t-il, qu'il a composé la plupart de ses poèmes. Alors on va y revenir, parce que j'ai insisté sur le fait que vous parlez de littérature aussi hispano-américaine, donc d'Amérique du Sud. Ce lien entre Jean de la Croix, sa postérité et l'emprisonnement, la difficulté, c'est quelque chose que vous constatez souvent, je pense à des poèmes qu'on ne va pas lire, mais liés par exemple au geôle des dictatures sud-américaines. C'est très important, ça. Oui, donc ici, ce qui est très frappant chez Jean de la Croix, c'est que l'éclosion, disons, les grands poèmes que nous retenons aujourd'hui, qui font de lui l'un des plus grands poètes en langue espagnole, reconnu par tous. C'est admis. C'est absolument admis, indépendamment, disons, de la confession des uns et des autres. Oui. Eh bien, ce sont les poèmes qui surgissent durant et juste après son incarcération, sa détention. Mm-hmm. Et donc, il y a là quelque chose de très frappant. Donc, c'est dans le moment de désarroi le plus grand, puisqu'il est emprisonné, comme on vient de le dire, non pas par l'Inquisition, non pas par un pouvoir extérieur, mais par ses propres confrères, disons. Donc c'est particulièrement cruel et très difficile à vivre. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va avoir cette inspiration poétique et en même temps ces expériences tout à fait particulières. Mmh. Et donc c'est vrai que dans des contextes tout à fait différents, mais vous évoquiez les geôles d'Amérique latine, eh bien, certains poètes vont effectivement retrouver là des connivences et notamment un rapport entre poésie et exil, je dirais, hein, le fait d'être jeté hors d'eux, d'avoir tout perdu. Et puis, quelque chose qu'on ne perd jamais, c'est la langue. Quand on peut la laisser résonner en soi, et alors on peut la retrouver dans l'expression poétique. Par rapport à la littérature française, où finalement il y a peu de poètes... Alors, il y a Verlaine qui a été emprisonné, mais c'est moins important. Enfin, je veux dire, le poète emprisonné, ça ne fait pas partie de nos mythologies. J'ai l'impression. Oui, moins, sans doute, oui. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que les épreuves de Jean de la Croix ne se sont pas terminées
avec l'expérience que vous évoquiez, parce que ensuite il va recevoir un certain nombre de charges, il va devenir prieur à Grenade, il va devenir vicaire provincial d'Andalousie, mais il va entrer en conflit avec le nouveau supérieur, le père Doria, qui est italien, et le père Doria va lui retirer ses différentes charges, et il va s'exiler à Úbeda, en Andalousie, et c'est là qu'il va mourir, prématurément. Donc sa fin est une fin véritablement pathétique. Il a une vie difficile. Il a une vie. C'est étonnant comme il y a une espèce de légèreté chez Saint Jean de la Croix, oui. Mais qui vient d'un fond particulièrement douloureux. Et alors il y a les douleurs qui s'infligent par les mortifications, oui. mais oui. c'est pas les seuls. Et ce qui me frappe surtout, c'est le fait qu'il souffre de ses propres confrères et de ses supérieurs. Oui. Mais avec une ténacité, puisqu'il aurait pu craquer 10 fois. Il ne craque pas et il sait, il va tout droit. Enfin, c'est un homme, c'est coupant même, comme sa théologie, enfin, comme sa mystique. C'est coupant, ça va tout droit. C'est... Non je... oui. Ce n'est pas un homme ondoyant et divers. Pas du tout. Non, mais j'ai... Oui, pour ça, le côté léger, vous avez utilisé ce terme léger. Je trouve ça pas très léger, moi. Je trouve ça plutôt... Léger, le cantique spirituel, ça monte, quoi. Oui. C'est en ce sens-là que je dis ça. C'est quelque chose qui est extraordinairement... enfin, c'est tout sauf éthéré, mais c'est aérien, quand même. Ouais. Alors, justement, on va essayer de rentrer dans cette œuvre. Peut-être dire qu'il y a de la poésie, c'est ce qu'on, spontanément, on connaît bien, et il y a aussi de la prose. Alors peut-être faire une sorte de, comment on appelle ça, l'œuvre, après la vie et l'œuvre, dans les Lagardes et Michard, il y avait l'œuvre, avec la liste des œuvres. Alors c'est quoi les œuvres de Jean de la Croix ? Donc les œuvres vont trouver donc leur noyau dans cet épisode d'emprisonnement dont on vient de parler, et on sait que Jean de la Croix sort de cet épisode avec dans sa poche un petit cahier où il y a donc plusieurs poèmes. On a une grande partie du cantique que l'on va appeler donc après cantique spirituel, mm-hmm. qui est un poème assez long, de 40 strophes, et il en a écrit environ 30 durant cette détention. Il a également écrit, ou va écrire juste après, le poème de la nuit obscure, qui est une manière poétique d'évoquer également cette sortie de la prison. Mm-hmm. Et donc, je voudrais insister ici sur le fait que la poésie est première. Oui. On n'a pas, je dirais, une idée de ce qu'est l'expérience mystique qu'on traduirait en poésie, c'est plutôt l'inverse. Donc Jean de la Croix vit des choses dans son intimité la plus secrète, il va assez spontanément traduire cela en poésie, mmh. et ce sont les religieuses qui sont à son contact qui vont lui demander « Mais père, que voulez-vous dire mmh. par cela ?» Et donc, il va expliquer ces poésies dans des traités donc, qui vont donc expliquer les grands poèmes. Alors, ces grands poèmes sont au nombre de 3. J'ai cité le Cantique spirituel qui est le plus long, mmh. la Nuit obscure qui est plus court, qui est un poème de 8 strophes, et puis le troisième poème important, c'est La vive flamme d'amour, qui est un poème un peu plus court. Et ces poèmes vont donner lieu à 4 traités. 2 traités portent sur la nuit obscure, donc la nuit obscure et la montée du Mont Carmel. Mmh. Et les 2 autres poèmes ont donné lieu à une explication, je dirais, assez serrée, vers par vers, des poésies. Mais le père, enfin Jean de la Croix lui-même dit il ne faut pas trop s'attacher aux explications que je donne parce qu'en réalité l'esprit déborde. Voilà. C'est curieux parce que d'habitude ce dont on fait l'exégèse, c'est la Bible. Là, il fait l'exégèse de sa propre œuvre, d'une certaine façon. Ce qui est assez... Enfin, je ne connais pas énormément de poètes qui ont fait ça. D'habitude, on dit, vous n'avez qu'à comprendre ce que je dis. Et je pense qu'il le fait, comme vous le disiez, pour répondre aux vœux de ses disciples, enfin de ses moniales, et puis aussi par un souci d'orthodoxie. Parce que le risque était qu'on interprète ses poèmes dans un sens qui incite en quelque sorte à voir en lui un hétérodoxe. Et là, n'est-ce pas, il y a un souci chez lui de rigueur qui est tout à fait sensible dans sa prose. Et c'est pour ça que, je veux dire, quand on baigne dans sa poésie, on arrive devant la prose, on est un peu surpris. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu.
en tant que lecteur, mais... Moi, j'ai du mal à le lire. Au moins, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous n'êtes pas le seul. C'est vrai. C'est compliqué. Quand on compare, par exemple, les dernières strophes du cantique spirituel que je ne connais malheureusement pas par cœur, mais vous sans doute, oui, bon, qui sont magnifiques, et qu'on voit ensuite la glose qu'il en donne sur un mode totalement allégorique, et on se dit, mais ça n'est pas le même texte, bien sûr, mais est-ce que c'est le même homme qui a écrit l'un et l'autre? Et en fait, c'est un contrepoint qui est destiné à éclairer le chant vis-à-vis de lecteurs sourcilleux. Je sens que vous n'êtes pas complètement d'accord. Alors, je suis d'accord dans les grandes lignes, mais ce qui est, je trouve, vraiment remarquable dans la prose de Jean de la Croix, c'est qu'à certains moments, le côté discursif et un peu lourd de la prose s'interrompt, et il ne peut pas faire autrement que de nouveau laisser surgir le lyrisme. Alors cette fois, c'est un lyrisme en prose, mais c'est un véritable lyrisme, et donc je trouve que ce sont des moments extrêmement intéressants, qui sont comme des pépites dans un ensemble effectivement qui est plus ardu, mais dans la prose, on a constamment des comparaisons, des métaphores, et donc le côté discursif rationnel s'interrompt parce que quelque part, il ne peut pas aller plus loin dans une explication rationnelle et on revient alors à une explication plus imagée, disons, donc, dans la prose elle-même. Que d'une certaine façon, la poésie, c'est le mode normal de la mystique pour lui. Enfin, ou que le langage non rationnel. Je dirais peut-être pas la poésie, mais le symbole. Oui. Bon, pour donner un exemple, nous avons donc la grande image de la nuit obscure dans Jean de la Croix, qui est une image, je dirais, qui domine quelque part son œuvre. Et il va donc l'expliquer de manière extrêmement théorique dans ses traités, en nous disant que deux contraires ne peuvent pas tenir dans un même sujet, que Dieu et l'homme sont contraires, donc pour s'unir, l'homme doit abandonner ce qui est, je dirais, contraire à Dieu et donc traverser un chemin de négation pour pouvoir s'unir à Dieu par l'amour, l'amour rendant semblables les deux termes qui s'unissent. Donc pour s'unir à Dieu, il faut quelque part s'ouvrir complètement à lui et donc abandonner tout ce qui est trop humain. Et puis, à un certain moment, il s'interrompt. Hein, dans la montée du Mont Carmel, c'est vraiment très visible. Et alors, il revient avec une image qui est ancienne, qui est celle du pseudo-Denis, et où il dit, mais c'est comme la chauve-souris. En réalité, la chauve-souris, elle croit qu'elle voit dans la nuit, elle distingue des choses et elle a l'impression qu'elle voit très clair. Et puis, au fur et à mesure que le soleil arrive, en réalité, elle est de plus en plus éblouie, elle ne voit plus rien. Et plus elle est proche du soleil, moins elle voit. Et quand son œil s'est fait au soleil, alors elle voit réellement. Et donc, là, on voit comment il revient à une image. Et c'est comme ça, constamment, on a des images. Et c'est toujours cette même dialectique de la lumière et de l'obscurité. Eh bien, on va y revenir dans cette dialectique, mais je vous propose qu'on entende justement la nuit obscure. Donc, on a fait une sélection de quelques strophes. Donc, c'est issu du livre que vous avez coordonné, Jean Canavaggio, et c'est une traduction de Jacques Ancet. Dans une nuit obscure, d'une fièvre d'amour tout embrasée, ô joyeuse aventure! Dehors me suis glissé quand ma maison fut enfin apaisée. Ô nuit qui a conduit, nuit plus aimable que l'aube levée, ô nuit qui a uni l'ami avec l'aimé en l'ami même transformé, contre mon sein fleuri qui tout entier pour lui seul se gardait, il resta endormi. Moi je le caressais, de l'éventail des cèdres l'air venait. Du haut du créneau de l'air, quand sous mes doigts ses cheveux s'écartaient, avec sa main légère sur mon cou me blessait, et chacun de mes sens me ravissait. En paix, je m'oubliais, j'inclinais le visage sur l'ami, tout c'est ça, je cédais. Délaissant mon souci entre les fleurs des lys, parmi l'oubli. Voilà, alors peut-être faire expliquer ce que c'est que cette nuit obscure, parce que c'est vrai que c'est un poème qui a une
enfin, qui connaît une grande faveur, même de manière moderne, mais souvent on fait un contresens sur la nuit obscure. On l'identifie la plupart du temps à une forme d'athéisme ou peut-être d'homme sans Dieu. C'est plus compliqué que ça chez Jean de la Croix. Je ne vais pas développer ce point qui est délicat, parce qu'il y a quelqu'un de plus compétent que moi, mais je dirais qu'effectivement, une des difficultés est à ce que le concept de la nuit est un concept, comment dire, en devenir. On ne peut pas réduire la nuit chez Jean de la Croix à une seule forme de nuit. Oui. C'est ce désir, n'est-ce pas, de l'expérience mystique qui se développe à travers différentes expériences de la nuit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous allez développer beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Voilà, donc on a entendu les poèmes. Et donc, ces poèmes, La nuit obscure, de même d'ailleurs que le cantique spirituel, commence par un verbe dans la première strophe, sali, en espagnol, donc je suis sorti. Il y a cette sortie dans la nuit, cette se laisser derrière soi tout ce qui est habituel, hein, donc cette rupture, pour aller vers une lumière qui nous dit le poème de la nuit obscure qui est intérieure. Et puis on a entendu « Aux nuits qui a uni l'aimé avec l'aimé, mmh. L'aimé dans l'aimé transformé mmh. ». Et donc la nuit, effectivement, elle est dynamique, c'est ce chemin qui permet cette transformation de l'âme dans l'amour qui alors va pouvoir s'épanouir, disons, dans l'aube des noces mystiques. Mmh. C'est évidemment un état qui est réservé à peu d'appelés, disons, hein, mais la nuit donc est ce chemin. Alors, Jean de la Croix va écrire deux traités. Hein, vous disiez que c'était rare qu'un poète s'auto-glose, mais ici, en plus, il va, sur le même poème, le faire deux fois, et le faire deux fois partiellement. Mmh. Et donc... Inachèvement. Oui, c'est inachevé. C'est inachevé, oui. Oui. Alors, dans la montée du Mont Carmel, Jean de la Croix donc, va... dire que cette nuit obscure, elle concerne la phase, disons, purgative, la phase ascétique, qu'il appelle donc nuit active, parce que c'est bien le sujet qui est à la manœuvre, si je puis dire, pour essayer de se purifier. Et puis, dans le second traité, où il va reprendre les mêmes strophes initiales, on va parler de nuit passive, parce que là, l'âme est déjà un peu plus engagée dans le chemin. Elle commence à ne plus trouver de goût aux exercices ascétiques qu'elle faisait. Et peu à peu, c'est Dieu lui-même qui va, dans ce terrain déjà préparé, va transformer l'âme en vidant ce qu'il appelle ses puissances, donc selon les trois facultés classiques, je dirais, de l'âme, à savoir l'entendement, la volonté et la mémoire. Et donc, il y a une invitation, alors, à ce moment-là, à l'âme à accepter ce travail d'évidement, la mémoire, ne plus s'accrocher à « avant, Dieu me faisait telle faveur, je ressentais telle chose dans la prière », peu importe. La volonté, je voudrais être prieur, je voudrais... Peu importe. C'est peut-être un peu une caricature, non, mais enfin. Non, je ne pense pas. et voilà, donc ces trois puissances. Mm. Et alors, bien sûr, la plus importante peut-être, celle de l'entendement, vouloir comprendre. Hein. Eh bien non, parce que Dieu est au-delà de toute compréhension, il est au-delà de toute représentation. Et donc, j'abandonne les idées que j'avais sur Dieu. Parce que, alors, ce qui est voilà. Très fascinant, c'est qu'on a toute notre série, là. C'est toujours la même idée. Qui est ressassé d'une le renoncement, façon. Le renoncement pour aller plus loin et pour avancer dans cette connaissance de Dieu. C'est, au fond, enfin, ce qui me paraît très important, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, c'est peut-être de tout temps, mais il y a la prière de Monsieur Tout-le-Monde qui est, je prie quand j'en ai besoin. Je prie parce que le bon Dieu va me donner un coup de main, quoi. Bon. Et avec cette réflexion qui me met hors de moi, mais qu'on entend très souvent, prier, vous allez voir, ça marche. Et ça me met hors de moi, parce que la prière, c'est pas fait pour que ça marche. La prière, c'est une union à Dieu, et ça n'a rien à voir avec l'ordre de l'efficacité. Et chez Saint Jean de la Croix, on le sent particulièrement bien. Il y a une espèce de gratuité. Si vous n'entrez pas dans cette gratuité, rien ne peut se faire. Et puis, cette nuit obscure... c'est déroutant pour notre temps qui cherche des sensations. Mmh.
qui cherche des émotions. Je voudrais que la prière me fasse du bien, que ça me parle, que ça. Et Saint Jean de la Croix balaye tout ça, alors là, radicalement, parce que entre dans la sécheresse et ne renonce pas à ce désert intérieur. Et au contraire, plus cette nuit s'épaissit, plus la lumière peut se faire visible et sûre, parce que tu ne prendras pas de fausses lumières pour de la lumière. Mais il faut du courage pour entrer dans la prière. Peut-être que c'est ce qui manque le plus. Et chez saint Jean de la Croix, c'est frappant, il y a un courage, on disait tout à l'heure, un homme terriblement déterminé. Et il faut beaucoup de courage pour entrer dans la prière, et c'est peut-être ce qui nous manque le plus. On abandonne facilement, on se décourage, et ce courage, je veux connaître Dieu, mais l'inconnaissable. Enfin, on va en reparler, parce qu'on va aller un peu plus loin. Dieu est inconnaissable et au-delà de tout, mais il y a une recherche continuelle pour aller plus loin, pour... Saint François d'Assise, pardon. Oui. Non, allez-y. Non, mais Saint François d'Assise, dimanche dernier, on disait, je ne peux pas aller vers Dieu sans aller vers mon frère. Enfin, c'est présent chez Jean de la Croix, mais il y a une espèce de radicalité du chemin vers Dieu et de. Soit un chemin qui passe pas que par nous, quoi. Surtout pas par nous. Oui. Ouais. C'est une radicalité particulièrement sensible dans le poème que vous avez cité, parce que c'est un poème bref. Mais si on prend le cantique spirituel, le poème du cantique spirituel, on retrouve la même démarche, mais à une autre échelle, c'est-à-dire sur 39 ou 40 strophes, avec un premier mouvement qui est la sortie de l'âme, et puis un deuxième qui est la réponse des créatures, et c'est là qu'on voit que le monde est présent. Avant d'arriver aux fiançailles, au mariage spirituel et à la parfaite union. Mais cette union ne signifie pas que l'âme s'abolit. Non, elle, vous le disiez, elle s'unit à Dieu, elle se transforme en Dieu, et elle trouve sa véritable dimension. Vous êtes parfait, Jean Canavaggio, parce que vous faites une transition avec le cantique spirituel. Alors, on a pris les strophes 35 à 38, c'est aussi toujours dans votre édition, c'est aussi une traduction de Jacques Ancet. Aimons-nous, mon ami, allons tous deux nous voir en ta beauté au mont. Au tertre aussi, l'eau pure vient écouler. Pénétrons plus profond dans les fourrés. Aux cavernes élevées de la pierre ensuite nous monterons, qui sont si bien cachées, et nous y entrerons et le jus des grenades y goûterons. Là, tu me montrerais cela que mon âme voulait toujours. Puis tu me donnerais en ce lieu, mon amour, cela que tu m'as donné l'autre jour, le souffle d'air qui passe, la chanson de la douce Philomèle, le bocage et sa grâce, et, dans la nuit sereine, le feu qui brûle et ne fait point de peine. Alors, en écoutant ce texte, ça me faisait penser au Cantique des Cantiques, et je crois qu'il y a un peu le même, chez les exégètes de Jean de la Croix, il y a un peu la même chose que chez les exégètes du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire une sorte de balancée, à savoir, est-ce que c'est un poème d'amour, ou est-ce donc érotique, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous parle de Dieu ? Est-ce qu'on peut avoir ce même regard ? Oui, certainement. Hein. Donc, comme vous l'avez dit, il s'agit ici d'une traduction de Jacques Ancet de 2012. Alors, le tout premier vers de la citation qu'on vient d'entendre... Donc, « Aimons-nous, mon ami ».« Aimons-nous, mon ami ». En espagnol, c'est « gocémonos ». « Gozar », ça veut dire, donc, en espagnol, c'est « jouir ». Donc, c'est le même verbe que celui que Don Juan emploie quand il dit « cette femme, je veux la jouir ». Hein, donc, en transitif direct, « je la veux cette nuit dans mon lit ». C'est le même verbe. Et donc, Jacques Ancet avait traduit ça dans l'édition précédente de Gallimard, « faisons l'amour ». Hein, et puis Jean Canavaggio a utilisé ses ciseaux. J'ai quand même demandé à Jacques Ancet, ça m'intriguait. Je lui ai dit, vous êtes assagi d'une traduction à l'autre. Il m'a dit, oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop abrupte la première fois, mais je voulais marquer par là le fait qu'il s'agit d'un amour qui engage toute la personne. Et donc, c'est vrai que l'espagnol, je dirais, c'est une langue plus charnelle, je trouve, je ne sais pas si Jean Canavaggio est d'accord, que le français qui a tendance à séparer. Et donc, en espagnol, la jouissance spirituelle et la jouissance
Charnel, c'est une seule et même chose parce qu'elle engage toute la personne. Et donc, en français, quand on traduit, je me suis amusée un peu à regarder toutes les traductions. On a donc « faisons l'amour »,« aimons-nous »,« réjouissons-nous », etc. Et donc, on est presque obligé de choisir entre le spirituel et le charnel, ce qui n'est pas le cas, je dirais, en espagnol. Et donc, là, il y a quelque chose de très, très fort, oui. Avec une langue qui est très, très puissante, toujours dans cette même strophe. Hein, on a entrons plus avant. Pénétrons plus profond dans les fourrés. Voilà, pénétrons plus profond dans les fourrés. Donc en espagnol, entremos más adentro, en l'espessura. Donc on a entré. Il s'agit d'entrer. Quand au début du poème, il s'agissait de sortir. Et donc la sortie a été faite. L'âme a abandonné ce qu'elle devait abandonner. Et maintenant, il s'agit d'entrer dans cette réalité du Christ, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est le Christ qui est le chemin. Oui. Et donc, il y a une langue là qui est extrêmement expressive, je dirais. Oui. J'ai dit que vous étiez le censeur, pas du tout. Mais justement, il y a eu une réflexion là-dessus. Il y a eu une réflexion, il y a eu même une discussion. Enfin, oui. Oui, effectivement. Mais je crois que Jacques Ancine ne s'est pas obstiné pour maintenir sa première traduction. Ce qu'il y a, c'est que, bon, derrière le cantique spirituel, il y a effectivement le cantique des cantiques. Et le cantique des cantiques est aussi un poème. Le premier verset du cantique, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, voilà. Et c'est pas facile à traduire non plus. Et il y en a qui traduisent qu'il m'embrasse à pleine bouche. Bon, c'est pas très très heureux, mais c'est quand même... C'est plutôt idée. C'est plutôt osé aussi. Et c'est... Mais moi, je trouve ça extraordinaire que Dieu ait inscrit la relation qu'il veut vivre avec nous dans la création humaine de l'homme et de la femme. C'est une réalité. Ça a été sali, abîmé par le péché, par toutes les représentations qu'on peut en avoir. Mais c'est incroyable que ce soit inscrit dans la nature humaine jusque dans l'acte charnel du don conjugal. Et ça, c'est magnifique. C'est très, très beau parce que c'est ça, la connaissance. D'ailleurs, dans la Bible, connaître, le connaître, c'est une connaissance charnelle par le toucher de l'expérience sexuelle. Et c'est extraordinaire. Et justement, on imagine les Espagnols quand même assez, surtout l'Espagnol du XVIe siècle, enfin le grand siècle, un peu rigide, quoi. Est-ce que ça fait scandale, ce genre? Ils ne sont pas toujours, hein, vous savez. Oui, peut-être. Il y a toute une tradition de la poésie érotique, qui est véritablement très expressive. Et puis, quand on regarde un peu ce qu'il y a derrière, disons, les traditions auxquelles Jean de la Croix recourt, eh bien, il y a la poésie des chansonniers, il y a la poésie courtoise du Moyen-Âge, il y a toute une série de formes de la lyrique qui sont des formes de la lyrique profane que Jean de la Croix reprend, retravaille et transpose. Et ça, c'est quelque chose... Ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on a l'impression que la mystique, c'est une expérience très, très intime. En fait, il y a tout un travail littéraire derrière. Tout un travail littéraire. On est allé aussi chercher des références à la mystique juive, à la mystique soufie. Ouais. Bon, alors, on ne sait pas très, très bien comment Jean de la Croix a pu accéder à ces traditions, mais il ne se laisse pas écraser par elles. Il les assimile et il les transforme par le pouvoir créateur du langage. Et sans oublier qu'il vit tout ça dans une des mortifications et une pénitence très forte. Donc chez lui, il y a aucun danger de déviation émotionnelle et sentimentale. Oui. Quoi. Et on n'est pas du tout dans la sensualité, non. On ne se vautre pas. Lui, il emploie ce vocabulaire-là parce que c'est le vocabulaire biblique de l'expérience mystique en elle-même, qui est une expérience unitive. Mais sans danger de alors qu'aujourd'hui le danger peut être un peu plus fort de faire des grosses confusions, quoi. Eh bien, on va dans cette troisième partie de l'émission, on va essayer de voir la postérité, l'actualité de Jean de la Croix. Et alors vous nous avez amené, Geneviève Fabry, un texte. Alors je vais vous le laisser prononcer, car lettre ouverte, ça s'appelle. Voilà. Donc, Carta Abierta,
d'un poète qui s'appelle Juan Gelman. Peut-être expliquer d'un mot qui c'est et de voir en quoi c'est du Jean de la Croix, en fait. Mais pas tout à fait. Voilà. Donc, je trouvais effectivement intéressant de parler de ce poète qui est un poète argentin, contemporain. Enfin, il est mort il y a quelques années. Et il a obtenu, je le dis rapidement, donc le prix Cervantes en 2007. C'est donc un poète important. Le Cervantes étant un peu l'équivalent du Nobel, pour le monde hispanique. C'est donc, un prix Nobel, voilà. C'est un poète important. Et donc, c'est un poète qui n'est pas spécialement croyant. Lui-même est de tradition juive askénaze. Il est argentin. Et durant les années 70-80, il va être un opposant à la dictature qui sévit dans son pays. Et il va en être une victime. Il va perdre son fils dans des circonstances tout à fait tragiques. Il devra prendre le chemin de l'exil. Et pendant cet exil qui le mène en Europe, en Italie, entre autres, eh bien, il va relire les mystiques et il va trouver dans la description que Jean de la Croix fait de la nuit, et spécialement de la nuit passive avec ses affres, eh bien, il va trouver une description de son état émotionnel, donc son état de deuil. Et en même temps, il va trouver donc un langage pour dire cette douleur qu'il traverse. Et en disant finalement ce qu'il a à dire, il va arriver d'une certaine manière à ne pas devenir fou, j'ai envie de dire, et à trouver un chemin. Et ce que je trouvais intéressant chez ce poète, c'est que beaucoup de poètes ont repris la poésie. Donc si je prends quelqu'un comme Aragon, par exemple, eh bien, il consacre un poème à la strophe que nous avons entendue du Cantique spirituel. Donc lui s'inspire de la poésie, mais il lit de très près l'œuvre en prose et il reprend dans le détail l'anthropologie de Jean de la Croix et par exemple cette distinction qu'il fait entre les trois puissances qui sont appelées à se vider, à perdre leur objet, disons, l'entendement, la volonté et la mémoire. Et dans son cas, c'est surtout la mémoire qui est le lieu donc, d'une souffrance où les événements heureux lui échappent, où il n'y a plus que des souvenirs, je dirais, vraiment très difficiles. Et pour dire cela, il va reprendre textuellement les mots du saint. Donc on va écouter le poème 14 de Lettre ouverte. C'est encore une traduction de Jacques Ancet. Dans l'affliction de toi, tout un peuple demande à te voir. Entendement qui saigne comme toi, de toi. Volonté qui ne peut pas regarder ton regard. Mémoire si amère de ta mort, qui mûrit au pied de ton fer automne. Mémoire qui meurt avec chaque vive souvenance. Douce a été ta main toute posée contre les aubes qui t'ont vu grandir, faisant enfant le monde qui débestialisait le drame dur pour se soumettre à tes pieds, doux comme chien. Alors, on a entendu donc Juan Gelman. On a l'impression que tout le monde aime Jean de la Croix. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ou plus exactement, vous avez une citation intéressante à nous livrer. Oui, alors effectivement, en France, au grand siècle, c'est-à-dire après Pascal, qui lui a lu Jean de la Croix, qui avait un cousin Carme, qui lui aussi beaucoup Thérèse d'Avila, vous avez Bossuet. Bossuet dit ceci, « Les faveurs spirituelles consistent en quelque chose... consiste dans quelque chose que Dieu fait sans nous, et où par conséquent, il n'y a ni ne peut y avoir de mérite. Chez les plus grands saints de l'Antiquité, on ne voit ni trait ni virgule qui tendent à l'état passif. » Alors, Bossuet, évidemment, il a derrière la tête Fénelon, Madame Guyon, le quiétisme. Et le quiétisme, pour lui, c'est une descendance impure, en quelque sorte, de la mystique du siècle d'or. Mais, au-delà, je dirais, de cette querelle historique, qui a donné un coup très dur à la mystique française. Vous avez Claudel, à qui on a envoyé les poèmes de Jean de la Croix, qui disait, bon, un génie, une âme extraordinaire, qui dépasse incomparablement tout le reste, mais il est dangereux, il est très dangereux. Il y a quelque chose d'hindou dans sa mystique. S'anéantir en Dieu, c'est une idée qui m'est tout à fait étrangère. Mais justement, il ne s'agit pas de s'anéantir en Dieu.
Parce que ce qu'il y a derrière, peut-être pour expliquer, ça va vous permettre de rebondir. Oui. La question du quiétisme, c'est effectivement, est-ce qu'il faut être totalement passif dans la mystique ? Est-ce qu'il faut laisser Dieu être le jouet de Dieu et se laisser manipuler par Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut agir ? Moi, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que aujourd'hui, où le bouddhisme a tellement de presse chez nous, et c'est la mode, c'est même, ça fait bien, c'est assez... Enfin, faut pas être méprisant pour... Enfin, il y a une mode un peu bobo qui est la méditation... Dont les bouddhistes se plaignent aussi. Oui, tout à fait. Mais on pourrait dire, est-ce qu'il y a des rapports entre cette espèce de négation de tout ce qui est sensible et de tout ce qui est de la terre avec Jean de la Croix qui... Alors, j'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais beaucoup vous entendre. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, donc négation du sensible. Bon, on peut dire les choses comme ça, mais je dirais que c'est surtout la négation de l'attachement au sensible. Donc c'est la négation de ce qui est inférieur à ce que, entre guillemets, mérite notre désir. Notre désir, finalement, le plus profond, hein, son seul objet correspondant, c'est celui qui est sans objet. C'est Dieu lui-même. Et donc, cet aspect de la négation n'est pas, je dirais, un but en soi, c'est vraiment pour rendre le sujet apte à correspondre à l'autre sujet qui l'attend, qui l'espère, qui est Dieu lui-même. Et donc, on a donc là, ce qui est espéré, c'est une union. Hein. On parlait tout à l'heure de la relation amoureuse. C'est un « je » et un « tu ». Dans les poèmes qu'on a lus, on a ce dialogue. Hein, donc c'est un jeu et un tu. On n'a donc pas une dissolution de la personnalité. Et le jeu du croyant, de l'ammonial, du spirituel, eh bien, il est habité par un désir. Mais ce que Jean de la Croix propose, c'est que ce désir se purifie d'objets qui sont plus restreints que lui et qui, comme ça, le limitent. Hein, donc je voudrais citer peut-être un aphorisme de Jean de la Croix que je trouve très, très éclairant. Donc ces aphorismes qu'il distribuait au monial, hein, donc des petites phrases, des pensées, voilà. Ça nous rappelle Pascal. Hein, voilà, et ça nous rappelle de nouveau Pascal. Et il y en a une qui dit, enfin je cite de mémoire peut-être avec une petite incorrection, mais l'idée est la suivante, « La mouche qui s'arrime au miel ne peut pas voler, l'âme hein, qui s'accroche au goût spirituel est empêchée dans sa liberté et sa contemplation. » Et donc, on voit bien que le but n'est absolument pas l'annihilation de l'être, mais la liberté, la liberté la plus authentique. Et pour une union et non pas pour une fusion. Voilà. Ça doit vous parler. Oui, ça me parle. c'est tellement important parce que finalement, c'est mode bouddhiste un peu. On voudrait nier tout pour essayer d'arriver dans un espèce de nirvana où on se retrouve soi. Où on se retrouve soi, oui, en fait. Où on se retrouve soi, mais tout dans le tout, une partie du grand tout. Alors que là, il y a un désir. Et il y a un désir de quelqu'un qui n'est pas moi, enfin qui est... Ah oui, ce qu'on appelait autrefois le sentiment océanique, c'est-à-dire le fait d'être en fusion avec l'univers. Le grand bleu, finalement, mon bonheur, c'est de me noyer dans le grand tout. Oui. Et avec cette idée du New Age aujourd'hui, où c'est l'harmonie générale, tout est bon, hein, dans l'écolo aussi. Alors que là, je cherche quelqu'un. Non mais c'est bien d'être écolo. Hein. C'est très bien d'être écologiste. C'est très bien d'être écologiste. Écolo, c'est autre chose. Enfin, dans ma manière de dans dire. Dans vos mythologies propres. On arrive à la fin de cette émission. La tradition, c'est de poser une question. Quel est, pour vous, le passage, la phrase ou la chose qu'il faut retenir de Jean de la Croix ? Alors, Jean Canavaggio. Alors moi, il y a une phrase de Jean de la Croix qui n'est pas dans ses poèmes, qui n'est pas non plus dans ses commentaires. C'est la réponse qu'il a faite à l'une de ses moniales qui lui demandait d'où il tirait tous ces vers. Il a répondu, je le dis en espagnol, j'ai la traduction, « Hijas, unas veces me los daba Dios y otras veces los buscaba yo. » C'est-à-dire, ma fille, quelquefois c'était Dieu qui me les envoyait et d'autres fois c'est moi qui les cherchais. ça résout notre question de passivité ou pas. Tout à fait. Geneviève Fabrice. Moi, très classiquement, je vais revenir à un des vers centraux de La Nuit Obscure. L'aimer en l'aimer transformé. Donc pour moi, la mystique, c'est ce que dit Jean de la Croix, c'est un chemin de transformation de soi parce que quelqu'un nous aime et nous amène à nous rapprocher de lui, à être lui, puisque Jean de la Croix lui-même parle
de déification de la personne. Donc c'est cette transformation dans l'amour qui m'interpelle chez Jean de la Croix. Vous, je ne vais pas vous demander Jean de la Croix, je vais vous demander la série, puisqu'on arrive à la fin de notre série. Qu'est-ce que vous retenez de ces cinq semaines qui ont été denses ? Non, oui. Six semaines. On est à la sixième. Moi, je citerai volontiers un psaume pour achever la série et nous introduire à la Semaine Sainte. Oui. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. J'aime énormément ce verset. Et la Semaine Sainte, en fait, quand Jésus dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », la Semaine Sainte nous fait monter vers le calvaire pour regarder. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Donc, en fait, à travers toutes ces émissions, on a trouvé vraiment la même idée. Il faut dépasser, il faut franchir, il faut dépasser, il faut entrer et toujours pour chercher. Il y a un désir. J'aime énormément cette notion du désir. Si tu ne désires plus rien, Jésus sans cesse demande quel est ton désir ou que cherches-tu ? Et le drame, c'est de ne plus rien désirer. Le désir doit être infini. Le désir, je ne veux aucune limite à mon désir, mais il faut bien ajuster le désir. Et ajuster le désir, à travers tous ces textes et tous ces saints qu'on a, il y a quand même un regard sur Dieu, en passant plus ou moins par l'amour des frères, mais qui se retrouve toujours, puisque aimer Dieu et aimer son frère, c'est tout kiff. C'est tout un. Mais la Semaine Sainte, c'est vraiment regarder le Christ pour être attiré par lui et finalement être autant qu'il dépend de nous, uni à lui pour passer la mort avec lui et vivre avec lui dans la résurrection. Merci beaucoup. Alors, peut-être deux livres que vous nous avez apportés. Jean Canavaggio, vous nous avez apporté un colloque, enfin les actes d'un colloque, le discours mystique entre Moyen-Âge et première modernité. C'est paru aux éditions Champion. Alors, je le montre simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, alors, Geneviève Fabry, vous nous avez aussi amené un livre pour les hispanophones. C'est tout en espagnol. Je vais vous le laisser prononcer le titre. Oui, ou on peut le prononcer directement en français, la Bible dans la littérature hispano-américaine. Et donc, c'est un livre qui reprend justement ce thème qu'on a déjà vu de comment la littérature hispano-américaine se saisit des thèmes bibliques. C'est un livre tout à fait intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de cette série. Je suis vraiment très content. Oui. Et puis, je crois qu'on peut dire, à tous nos téléspectateurs une bonne Semaine Sainte et peut-être déjà joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. Et donc, bonne Semaine Sainte.